redonner des couleurs à la place Henri Dunant et à tout un quartier grâce à une fresque. C'est l'objectif de ce projet intitulé Life. Et il a une particularité. Autour de l'artiste éclose, les habitants sont invités à donner un coup de main, ou plutôt de pinceau, avec grand plaisir. Vous savez, moi hier, j'ai vu un enfant, il a fait la peinture avec nous. Pourtant, c'était pas mon enfant, quoi. Mais par contre, il a participé, quoi. Oui, c'est important, ça fait une activité, ça fait sortir. Ça fait mieux, déjà. Déjà un peu plus propre, quoi. Mais c'est pas fini, hein. Attendez. Au moins, on apprend à connaître des gens. Et moi, je suis pas d'ici, je suis des Bœufs. Alors, je viens d'emménager il y a à peine 2 ans. Puis ça fait du bien de faire la connaissance un peu d'autres personnes. Les volontaires viennent quand ils le souhaitent, que ce soit pour quelques minutes ou la journée entière. Et après quelques coups de peinture, les avis sont très positifs quant à cette initiative. C'est là qu'on voit la solidarité, quoi. C'est super, quoi. Il n'y a pas de différence. Les gens, ils sont là, on voit qu'ils aiment bien leur quartier. C'est bien. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Pour réaliser ce projet initié par la ville de Dieppe, il y avait une seule condition, qu'il soit participatif. Une nouvelle manière de travailler pour Éclose. Souvent, je suis dans ma bulle et je fais des projets techniques avec concentration où je suis tout seul. Et là, c'est un peu le contraire. C'est une interaction avec les gens, donc ça me change. C'est vachement cool, quoi. J'ai fait un truc compliqué par la taille, mais très simple dans la réalisation, où n'importe qui peut venir donner un coup de main. Il n'y a pas besoin d'avoir un CAP de dessinateur ou quoi que ce soit. La fresque est visible depuis les immeubles qui entourent la place Henri Dunant. Il ne reste plus aux habitants et aux enfants notamment qu'à se l'approprier et en faire une aire de jeu.